Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tomb Raider. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. La suite des aventures de Lara. Eh bien, on est reparti, hein. Voilà. Alors, nous sommes revenus dans le village de montagne, hein. Donc la dernière fois, on avait réussi à allumer notre signal de détresse, hein. Donc l'avion est venu, mais il a été pris par la foudre et il a explosé. Il a explosé, il nous est tombé dessus. On a dû l'éviter dans une espèce de séquence d'action. Tout en glissade, on a fait un super toboggan, hein. Et puis on a emprunté une espèce de route oubliée, qui s'appelle ça, ouais, la route oubliée, hein. Voilà, donc il y avait des maisons un peu pourries, donc dès qu'on arrivait, bah, ça s'effondrait, hein, donc il a fallu courir un peu, donc c'était une bonne séquence d'action, hein. Et puis on a atteint le village de montagne, donc on a discuté avec Croft, hein. Et puis on a reçu un appel de détresse de la part, il reste un autre pilote, hein, dans l'avion, hein. Et voilà, donc le but maintenant c'est de rejoindre la balise fumigène, hein. Donc le pilote, il a lancé une balise fumigène. Voilà. Alors on s'était quitté à ce feu de camp, hein. Hop là, on y retourne pour s'équiper. On avait vu qu'il y avait un point de compétence, hein, donc on va se mettre un nouveau point de compétence. Est-ce qu'on continue là-dedans, hein, parce que c'est quand même pas mal le truc de chasseur là, de castagneur, hein. Ouais, on va se spécialiser dans la castagne, les amis. Est-ce qu'on se met ça? Après avoir esquivé une attaque, planter une flèche dans le genou de votre ennemi pour le rendre vulnérable à un coup critique. Je prendrais bien ça. Tolérance à la douleur, c'est plus de dégâts. Ouais, ok. Alors, on va prendre ça. Hein. Vous pouvez subir plus de dégâts avant de mourir. Ok. Nan. Voilà, on va être un petit peu plus tanky, hein, on va dire. Voilà. Le niveau des matériaux, on touche pas. Fermé, voilà. Hein, on touche pas aux matériaux. Parce qu'on va garder ça pour améliorer notre arc plutôt, hein, vu que je préfère jouer à l'arc. Alors, off, tu fais toujours la tronche. Lara, si tu veux vraiment le faire, alors fais-le vite. Je suis désolé, Ross. Mais je ne peux pas le laisser seul comme ça. C'est tout ce que t'as à dire ? Je vais descendre dans la vallée. Je pourrais peut-être rejoindre les autres. Je peux pas rester là comme ça. Ouais. Mets-toi en route, Lara. Plus vite tu partiras, plus vite tu pourras nous rejoindre. Ok. J'ai trouvé un vieux fusil à lunettes dans les ruines. Un coup de chance, hein ? Et il était chargé en plus. Je vais voir si il fonctionne encore. Ouais, tu m'étonnes. On peut plus lui parler ! Ok. C'est cool. Allez, on va essayer de se diriger vers la fumée là-bas, la fumée bleue, tout là-bas. Ok, allez, c'est parti. Attends, y a un moineau. Ouais, super. Ramasser, mais il veut pas. Voilà, ramasser. Ok, faut faire quoi là? Ah, faut descendre alors. Va falloir mettre une corde là, tac! Et schlac! Waouh, trop fort! Allez, appuie, on descend. Ouh, ta la la! Ouh, wihou! Là, 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 y'a du monde. Ok, non, pas par là. Ils sont. Ils sont que deux? Ah non, ils sont trois. Ah, l'autre il s'en va, il est parti, il a pris la corde. Ok. J'ai envie de me la jouer en fufu, moi, les amis. Alors lui il s'en va par où, le monsieur? Hein? Ok, et l'autre? Il fume sa clope tranquillement. Attendez, il va peut-être pouvoir venir par là, non? Ah ouais. Fais pas trop de bruit là. Voilà. L'autre qui fume sa clope, il est là-bas. Ouais.
Ou alors on leur balance des flèches dans la tronche. On va attendre qu'il revienne le gars là, celui-là. Là. Lui là. Ouais, puis il revient. Ouais, on va se la faire en fufu, hein. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien observer un peu leur trajet, hein, voir ce qu'ils font. Hein. Donc là, on a compris, le gars là, il va venir se placer là, devant nous, et on va le buter. C'est bon? Allez, c'est parti. Hein? Ah, tu mets carrément un coup de piolet maintenant. Alors l'autre là-bas. Fais pas de bruit. Ah oui, un coup de piolet directement. Voilà. Piolet furtif plus 15. Super. On va le lutter. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la baraque, hein? Oh tiens, matériaux. Ah, super, on va pouvoir améliorer notre arc. Ah cool. Ah cool, 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 cool. Cool. Ah, ça j'aime bien. Alors ça, ça me botte là. Pouvoir améliorer notre arme. Notre arc. Ah, des matériaux. Ça c'est quoi ça? Très courant dans la médecine japonaise par les plantes, appelée Kampo. Cette fiole a l'air très ancienne. Ok, examinez. Hop, hop. Ce sont probablement des champignons maïtake, des champignons des fous d'encens. Ils sont utilisés pour renforcer le système immunitaire. D'accord. Magnifique. Alors. Ça on peut pas passer hein, parce qu'il va falloir voilà une autre arme pour pouvoir péter ça. Là on peut pas le péter. Ouais, alors du coup voilà, c'est pour ça que c'est marqué que c'est verrouillé. Ok, ok, je comprends bien. Voilà, apparemment il n'y a plus rien. L'avion. L'avion, l'avion. D'accord. Hop là. On peut aller nulle part. Hein. Ouais, de toute façon, on peut aller nulle part. Ah bah tiens! Tiens, un peu de feu, tiens! Voilà! Trois statues allumées! Super! Y'a quelqu'un? Ross? Je suis là, Reyes. Quelle est la situation? On a suivi un groupe d'hommes jusqu'à une espèce de ville. Cet endroit, c'est de la folie, Ross. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des nouvelles de Sam ou de Whitman? Rien pour le moment. Tu es avec Lara? Oui, on ne va pas tarder à venir vous rejoindre. D'accord, on va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. Ok. Allez, on y va. Youhou! Oh, c'est cool ça. Ah, oh, ça me botte. Hop là. Il nous faudrait un feu. Ah, mais! Ah, mais non, on peut pas revenir en arrière. Ouais, il nous faudrait un feu de camp, hein, ça serait cool. Tiens, des matériaux là. Comment on accède là-bas? Et... Eh ben, il suffit de descendre, non? Attends, remonte, pas tout de suite. Ok, là, y'a rien. Y'a un truc. Hop là. Ok. Géocache. Et par là. Qu'avons-nous par là? Voilà le signal. Eh, d'accord, c'est pour aller. C'est pour aller voir le gars là-bas. Alors, on va pas y aller tout de suite pour l'instant. J'ai vu qu'on pouvait descendre par là, là, non? Voilà, on va descendre par là. Oh! Je croyais que t'allais t'accrocher, là, Lara, non? Il a peut-être fallu que je m'accroche, hein, en appuyant sur la touche d'interaction. Alors voilà, je voulais me prendre cette petite caisse, hein. C'est-il pas beau? Voilà, on a quoi, là? Tiens, ah, tiens! Ah bah, tiens! Ah, merci bien. Hop, c'est bien cool. Ah, pièce de fusil. Ouais.
Ah bah tiens, regardez encore. Hop. Pièce de fusil, 2 sur 3, c'est cool. Alors, ah bah c'est cool, on est revenu. Ah, mais saute. Voilà. Ok. Voilà, l'avion qui s'est scratch. C'est bon. Eh oh, pourquoi je peux pas prendre le machin? Ah, voilà. Pas autre chose. Ok. Eh ben, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs ici. Hein. Ah, bah c'est cool. Allez. Ouais, matériaux. D'accord, nous sommes revenus là, les amis. Hein, donc l'avion s'est scratch là. Ah, j'ai vu une caisse là, voilà, une caisse. Ah, il y a des munitions. Il y a de la munition. Ouais. Ah bah du coup, on peut aller là. Hop là. Ah bah voilà, maintenant qu'on a ça là. Non, l'arc. Voilà, qu'on a ça maintenant, on va pouvoir tirer là-dessus. Et voilà, ça devrait aller toucher le machin là-bas. Super. Super, et voilà. Ok. Par contre, on peut toujours pas aller là. On peut tirer, mais on va pas pouvoir accrocher notre corde. Voilà, on peut pas l'accrocher. Si, peut-être de là, non? Ah bah voilà. Allez, go. Go, Lara. Bon, par contre, on va pas pouvoir péter la porte, c'est pas grave. On va se prendre... ça. Ah. Ça. Des munitions. Ah oui, il faut maintenir, comme ça on crame. Ouais, cool. Ok. Donc, on peut pas passer, là. Ouais, on peut pas passer. Et... bon, bah, on va faire demi-tour. Et... hop là. Est-ce qu'on peut s'accrocher? Non. Hop là, c'est pas grave. Y'a rien d'autre? Y'a rien d'autre. Allez, retour au camp pour... améliorer notre arc recourbé. Alors arc recourbé, échange d'armes arc long improvisé contre arc recourbé. Ça n'affectera pas les améliorations précédentes. Donc nous avons un nouvel arc, c'est ça. Nous allons pouvoir l'améliorer ou pas? Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut se faire? Flèche grappin, c'est fait. Tige renforcée. Oh bah il est plus joli comme ça. Hein. Corde renforcée. Ok, alors ça. Gâchette porte-clés. La gâchette porte-clés permet d'améliorer la cadence de tir. Bon, ok. Ok. Voilà. Le piolet. Attendez, le piolet, on peut plus l'améliorer, je crois, le piolet. Ouais, il n'y a plus d'amélioration possible. Oh, bah, c'est cool! Voilà, on a un nouvel arc, il est super joli. Ouais, ouh. Ouais, ça fait plus stylé que l'arc qu'on avait avant. Tiens, un document. Ross, je ne sais pas par où commencer. Alors, Reyes, cher Ross. Ouais, ok, voilà, tac. C'était juste là, le machin. Donc, alors, on va peut-être pouvoir fouiller un peu plus, là, non? C'est quoi, ça? C'est un truc. Un moineau! Enfin, un moineau. Ah bah non, il est tombé! Oh! Ah, c'est pas cool ça. C'est pas cool du tout. Hop là. Ça, c'est bien. Pas autre chose. Et maintenant qu'on a une arc avec des cordes, qu'est-ce qu'on peut se faire? Ça là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toi, le poulet, fais pas ton rigolo.
Hop. Ah, c'est quoi ça? C'est de la bardane. Une racine traditionnellement utilisée dans le campo pour soigner les inflammations. D'accord. Super. Et ça, c'est quoi? Des munes? Attendez, j'ai pas fait gaffe, mais est-ce que y a un truc qui permet de distinguer alors les munes comme ça? Hein? Ok, alors ça c'est notre arc. Non. Ce serait pour lui là, non? Ouais, ce serait pour notre fusil ça. Du coup, si je fais ça, je vais pouvoir ramasser. Ah ouais, c'est ça, c'est pour notre fusil. Donc il y a bien un signe. Donc ça, c'est des balles de fusil. Le pistolet. Non, le pistolet, les amis. Là. Le pistolet. D'accord, c'est ce symbole là. Bon, ok. Hop là. Ah, t'as pété un pot. Appuyez sur A. Oui, bah d'accord. On le sait, ça. Les deux en même temps, non? C'est pas possible. Ah, bah elle a bougé au dernier moment. Où es-tu, la poupoule? Quoi? Maintenant, ils sont morts tous les deux. Ah, bah c'est cool. Regardons la map. Hein, on va se fier à la map plutôt. Ça là, c'est où ça, les amis? Activez le point de passage. Ah, ça a l'air par là. Et hop là. Des lapins. Mais ils sont grands. Comment qu'ils sont grands? Trop tard, j'ai loupé les lapins. Ah, faut spammer. Non mais spam, vas-y. Vas-y. Ouais, des matériaux supplémentaires. Ah, c'est dans cette baraque. Qu'est-ce que c'est que ça? Un facochère. On lui a mis deux flèches au facochère. Ah ouais, moi je vois un animal, je le bute, hein. Cherche-vous à comprendre. Ah, on a buté le pauvre facochère, il a rien demandé. Alors, c'est là-dedans. Hop là. Merci bien. Qu'est-ce qui s'est marqué là? Faveur Mathias. Une setup fruit. Ok. C'est gratis, hein. Fear the quoi? Bon. Alors, c'est le père Mathias qui a mis ça, hein, donc c'est gratuit apparemment. On a beaucoup regardé cette photo. Elle a été pliée et dépliée de nombreuses fois. Ouais. Alors, derrière? Il n'est jamais rentré chez lui. Cette île a pris tant de vie. Ok. Oh, y a rien d'autre. Un truc là, voilà. Ok, c'est magnifique. Alors, cette map, bah, on a tout vu. Ici, y a une baraque là-bas. Ah, baraque avec des matériaux. Là. Hop là, ouais. Hop là. Ah super. Et ça, c'est quoi? Des bulles. Hein? Une corde là? Ok. Et là, une corde? Enfin, il y a un truc où on peut mettre une corde. J'ai vu un truc à l'instant là, mais. Ah voilà, ça là. Ça là. Ok, attendez. Attendez. Faut cramer ce machin, je crois. Ouais, voilà.
Là, ça s'est fait. Ah, il y a un truc là. Ça s'est fait. Alors là, une caisse. Caisse de matériaux. Merci bien. Et là, je sais pas où ça nous emmène. Voyons ça vite fait. Ah, ça nous emmène où? Ah, juste au-dessus. Hop. Et là-dedans, il y a quelque chose, non? Non, il n'y a rien. Ah, 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 matériaux. Oh, tiens. Chocache. Ah, bah, c'est cool. Est-ce qu'on peut revenir où qu'on était tout à l'heure? C'est-à-dire là. Hop. Ok, ah, voilà. Donc, attendez. On avait commencé à faire ce machin. Voilà. Ok, ok, ok. Yop là. Voilà, va falloir tirer. Non, l'arc. Va falloir tirer là-dessus. Voilà. Avec un peu de chance, il va aller taper dans l'eau, non? Non? Ah. Il faut plutôt le tirer de par là, je pense. Voilà. Ça y est, il s'est enflammé le machin. C'est bien. Maintenant, il va falloir le tirer par là. Ok. Voilà. Ah, ici, mec. Non, 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 non. Faut le tirer de plutôt par là. Ah, mais. Ouh. Allez. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Ouais, magnifique. Tout ça pour une caisse de matériaux. Ok, bon, ça c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est que. Va falloir. Oh, allez, on retourne au camp. Au feu de camp là-bas. Hop, allez, au feu de camp. Parce qu'on va s'arrêter là, les amis. Voilà. Bon, en général, ça. Voilà, on s'arrête là. Donc voilà, on va se quitter ici, les amis, sur ce joli feu de camp. Hein. Donc, on poursuivra notre petite exploration du village de montagne. Hein. Voilà, alors merci de m'avoir suivi. Sur ce, je vous dis à plus. Portez-vous bien. Ciao, ciao.